been so hungry in my life. Il est fin. Alors, on est de retour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça à récupérer. On doit boire aussi. Faut pas que j'oublie ça. Alors, nous nous retrouvons le jour suivant. On a de l'eau, on va la descendre en bas. Et bah, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Par contre, on est décalé avec le temps. C'est-à-dire qu'il est à peu près 1h, 2h du matin. Non, de l'après-midi, pardon. Et bah, on est en pleine forme. Voilà, c'est ça le problème. On est en pleine forme. On va poser l'eau. On va poser 7 litres. Je pensais qu'on avait un peu plus d'eau. Au final, on n'a pas tant que ça, en fait. Ouais, honnêtement, je pensais l'avoir fait plus. Bon, c'est pas très très grave, mais... Oula, on peut pas... Alors je sais qu'ils ont changé la forme des bouteilles, enfin elles sont plus grandes j'ai l'impression. Ils ont changé un peu le skin et tout ça, mais... Oula, ok. On peut pas vraiment les mettre l'une contre les autres. Oula, c'est bizarre ça. Je suis quasiment sûr qu'avant on pouvait les coller plus facilement. Ouais. Ça on le garde, ça on va en jeter une... Dépecez vos proies, le meilleur chasseur de l'Ouest. On va poser ça, ça. Bon, ça vaut rien, c'est bon. Ça, on pose. On va se vider un peu. Hein. Notre fusil, il est à 50%, c'est bon. Donc ça, on pose. Celui-là, ça, on n'en a pas besoin. Oui, on a ça aussi. On va le mettre là. Tac, 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 tac. Ah, très bien. Alors, pourquoi je pose les livres? Parce qu'on n'a pas besoin de tous les livres, hein, déjà. Et ça va être sûrement assez rare qu'on lise. Comme j'ai dit, en intrus, c'est extrêmement rare qu'on lise. Hein, c'est extrêmement rare. Bah, si ça arrive, on a déjà un livre, ce qui est déjà bien. Par contre, je sais qu'on avait des balles. Parce que là, notre fusil est max. On a 7 balles de rush. Ok. On va les jeter. Ça sert à rien d'en transporter 3000 non plus. Voilà. On est bon. Alors, ce qu'on va faire... Est-ce que nous sommes prêts? Ouais, ok. Alors, le but aujourd'hui... On va voir un peu s'il fait beau ou pas. Alors, je voudrais... Alors, s'il fait beau, on va aller loin. S'il fait pas beau, on retourne sur le lac. Ok, moins 9. Moins 9, c'est pas... Ok, en plus il fait jour, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on pourrait retourner sur le lac pour fouiller les petites huttes. Mais on va pas le faire, on va pas le faire. On va aller... Oh, il y a un cerf. Ah. Alors moi je voulais aller derrière la forêt. Alors, pas derrière la forêt, derrière le... Alors vous voyez la tour. J'avais dit que dans cette direction il y avait des petits genre bungalows. Pour ceux qui coupent le bois en fait. Et ceux qui travaillent là-bas. Et je voulais aller voir là parce que bah, du coup, vu qu'il fait pas trop froid et qu'on peut se déplacer et tout ça. J'avais en tête d'aller là-bas. Par contre, changement de plan, je crois qu'on va se faire le cerf. D'abord il y a un truc que je veux vérifier, c'est ça. Apparemment il y a un cadavre là. Alors, dans la survie en intrus, bien sûr, on va souvent avoir des changements de plan au dernier moment. Beaucoup de choses comme ça, ça va arriver souvent. Ah bah y'a rien. Même extrêmement souvent, et il le faut. Parce que, bon bah, des fois... Enfin, si on n'était jamais allé, par exemple. Si j'étais pas allé au barrage, on serait mort, complètement. Donc ça, c'est vraiment une décision prise au dernier moment, qui n'était pas prévue. On va faire ça. Donc ce que je voudrais faire là, c'est du coup récupérer le cerf. Ok, on va le pousser un peu vers la maison. Alors pourquoi récupérer le cerf? Parce que si on essaye, si on arrive déjà à capturer un cerf, enfin en chasser un. Parce qu'en plus il fait pas trop froid. Si on arrive à récupérer un cerf, récupérer sa nourriture, enfin sa viande... déjà, honnêtement, c'est très très bon. C'est très très bon.
Parce que du coup, on n'aurait plus vraiment à faire attention avec à la viande. Alors, on doit être vrai de bon là. Wow! Ça résonne et tout. Ah. Oh la vache! Yes. 1 heure. 8 heures. Oh la vache. Il y a du vent. Alors attendez. Je vais voir si on a du bois. Est-ce qu'on a du bois en réserve? J'ai peur que non. Bon, on a du charbon. Alors, on a tout utilisé la dernière fois, je crois. Ah, putain. On se fait violence? Ça va se traduire par... on va récupérer toute la viande en une fois. Dans le froid. Ok, allez, on y va. Ok. Alors, attends. Parce que peut-être pas toute la viande. Donc là, ça ferait 2 heures. Si on fait ça, on découpe en 1 heure. Ok, on va faire ça, alors. Il faut une hachette ou un couteau. Merde, on peut pas le faire, ok. Non, bah, désolé. On peut pas. On va rester 1 heure. Attendez, on va revenir au truc rond. 4 kilos de viande en 1 heure. À la main, c'est 2 heures. Si on rajoute ça, c'est 1 heure. Ok. Okay. D'accord. Attends. T'es gelé à 23%. Ok. T'es gelé à 23% en 1 heure. Parce qu'il fait pas très froid. Il fait pas très froid. On n'a pas de bois de côté. Si on casse une chaise, c'est combien? 45 minutes. 2 heures. Est-ce que... Je voudrais juste passer genre 15 minutes peut-être. Quelque chose comme ça. Pour passer du temps en fait. Pour se réchauffer un tout petit peu. Il va nous falloir un couteau. Hein. Il va nous falloir un couteau. Le couteau, il va falloir le crafter. Bon, ça, c'est pas... Hein, ça, on le savait, de toute façon. Qu'on allait devoir le crafter un jour ou l'autre. Mais... Ouais. Parce que là, en fait, ce qu'on aurait pu faire, si on avait un couteau... Le couteau, ça aurait été vraiment bien. C'est que, du coup, on récupère... on fait des sacs de viande. Et ça va, en fait, découper la peau directement. Et les boyaux, ils vont être par terre aussi. Et du coup, on a des sacs de viande et on les prend à la maison. Et après, on les démonte à la maison, en fait, les sacs. Ok. Ok. Ouh. Bon bah du coup on a... Bah du coup on a fait notre nuit, enfin non on a fait notre journée en fait, on a fini notre journée. Ouais, y a rien d'autre à dire en fait.
risque d'hypothermie 60%. Ok, c'est bon. Ce qui est bien aussi, c'est que on est protégé en fait. Tous les membres sont protégés. Donc du coup, on n'a que l'hypothermie en fait générale du corps. Et ça, c'est vraiment vraiment bien. Parce que sinon, on aurait gagné des gelures aux mains, à la tête, comme on avait eu au début. Enfin, presque. Donc, bien, bien, bien. On a beaucoup de viande de côté. On a à peu près 10 kilos, je crois. Donc ça, on va le faire cuire un jour ou l'autre. Peut-être pas maintenant, parce qu'il nous faut du feu. On a perdu beaucoup de vie, par contre. Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Alors, on pourrait faire du feu maintenant. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que faire du feu maintenant, on n'a pas de bois vraiment de réserve. Parce que là, normalement, en théorie, je peux... Attends. Faire du feu... 40%. Parce qu'on peut utiliser la loupe, mais on n'a pas de bois. Donc, enfin, ça sert à rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, il fait pas froid, hein. Ah, c'est vrai qu'on est quoi, au premier jour, deuxième jour? Bon, ce qu'on va faire, vu qu'elle est pas fatiguée, on va récupérer du petit bois comme ça, vite fait, qui tourne autour là. Enfin, qui traîne autour plutôt, et c'est nous allons tourner. Et on va... Après, on va rentrer, donc dans pas longtemps. On va rentrer et on va casser des chaises pour récupérer plus de bois, tout simplement. J'ai pas vraiment envie de partir trop loin. C'est vrai qu'on a quand même pas de vie, quoi. Alors, on va rentrer. C'est nouveau là, ce bruit qu'elle fait là de respirer fort là comme ça. Nouveau ça. Elle faisait pas ça avant. Intéressant tout ça. Ok, fais tout, c'est bien. Carpette là, c'est tapette là. Faudrait les virer, putain. C'est pas beau, c'est moche. Moche. On va en mettre 5, on en garde 5 sur nous. Donc on n'a pas de bois, on n'a plus rien. Ça par contre, on va peut-être les virer. Je sais pas où les mettre. Pour mettre du bois en fait sur le côté là. Ah bah tiens, j'avais pas vu. Bon, on s'en fout, c'est pas intéressant. J'aurais bien voulu que ça soit des vraies notes. Le fait de parler développeurs et tout, qu'on puisse lire. Qui sont intéressants. Parce que ça, ce sont les backers là, du projet The Long Dark qui ont mis des notes. Oh, j'aurais bien voulu mettre... Parce que moi, je savais pas quand il était en développement, le jeu. J'aurais bien... Je l'aurais soutenu, ce projet. J'aurais vraiment soutenu le projet. J'aurais bien voulu mettre ma propre note. Vous savez, s'imaginer une note personnalisée de moi, ce serait cool. Bref. Alors, on a des chaises là, une chaise là, une chaise là. Ok. Non. Non plus. Ouais, ok. On a la lampe, c'est bon. 45 minutes. Parce qu'on va être dans le noir, en fait. Ok, bien. On va aller prendre d'abord la nourriture déjà, parce que j'ai peur qu'elle commence à tituber. Parce qu'on est très 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 bas en vie. Honnêtement, on est très très bas en vie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend celui-là. On va prendre celui-là. On va en prendre un à 800. On va en manger un à 800, je pense. Comme ça, on dort. Ouh, il y a une coloration assez sympa. Une coloration assez jolie. C'est combien les... Parce qu'il fait pas froid en fait. Moins 7. Combien les boyaux? 30 minutes. Voilà. J'ai entendu un chien. Enfin un loup. Je sais pas pourquoi je les appelle chiens depuis le début. Non, non, j'ai pas envie de tenter non plus. Faut pas. Hein,
On va pas tenter le diable. Donc là, encore une fois, il va falloir qu'on... On peut casser dans le noir. Il va falloir qu'on... qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas ça, ça. Il va falloir qu'on dorme longtemps. Ok. Ok, elle commence à tituber. Ouh la vache, tu vas me prendre la lampe? Sérieux? Okay. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à casser. Putain, on peut pas. Déjà minuit. Ouais, on va dormir. On va dormir. Bon bah du coup, bah ouais, ça a été une journée un peu courte pour nous, mais honnêtement, on a vachement progressé. Alors par contre, on a perdu beaucoup de vie. Ouais, j'espère qu'on, ouais, on devra en récupérer pas mal, mais bon, quand même, c'est un peu embêtant. Alors je sais que vous risquerez de rien, de pas voir grand chose. On va mettre le. Le bois là, qu'on a récupéré. Voilà. Mais non, non, ça, honnêtement, ça valait vraiment le coup hein, de faire ça. Hein, parce que là, on a gagné... honnêtement, on a gagné beaucoup de rations de viande. Donc on va pouvoir vraiment durer... Déjà, on n'a pas le problème, la peur de pas avoir à manger. Déjà, on a résolu ce problème. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment 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 cool. C'est bon, on va boire. Et donc on va pouvoir beaucoup plus explorer. On va se concentrer sur l'exploration dorénavant. Donc ça c'est bien, on va essayer de faire toute la map en entier. Toute cette région, pardon, toute cette région. À 10h. Très très bien. Vraiment content. Alors, alors, alors. Bah, on est reparti. On a un peu du déjà vu. Hein. On a un peu du déjà vu là. On a récupéré ça de bois. Plus de bois. On a récupéré la moitié de notre vie. Enfin, un peu moins de la moitié encore. Il nous reste encore des calories. Il faut qu'on prenne de l'eau. Et il est un peu plus tôt dans la matinée. Donc ça devrait se passer. On va prendre 2 litres sur nous. Ah, très bien. On a bien 2 litres. Ouais, okay. Donc, on a ça. C'est parti. Alors, on va voir avec le temps. Et on va voir ce qu'on va faire. On va improviser. Alors, on a... Ok, on a tout ça. Ça, c'est bien. Et on va récupérer du bois, je pense. J'sais pas... Il fait un peu froid. Je pense qu'on va aller récupérer du bois. Enfin, non, pas vraiment. On va se balader. Parce qu'on n'a pas trop de vie. Par contre, on n'a pas trop de vie. Donc, j'ai pas envie d'aller trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'aurai plus de vie, quand je serai plutôt à 80% de vie, d'accord, ok. On pourra aller un peu plus loin. Surtout qu'il fait un peu froid. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va... Je regarde s'il n'y a pas... Ah, il y a des massettes, yes. Alors, on prend et on jette. On prend le morceau, la tête, là. On la jette parce qu'on n'en a pas besoin. On a déjà assez pour faire du petit feu. Enfin, quoi, qu'on va en prendre une ou deux, mais voilà, pas plus. Okay, il n'y a pas de... Je vois pas de loup. Donc, alors, on pourrait complètement aller, comme j'ai dit, de l'autre côté. Bon, par contre, il fait... trop froid aujourd'hui. Il fait trop froid et comme j'ai dit, on n'a pas assez de vie, donc c'est très dangereux de se balader loin. Donc ce qu'on va faire, on va faire le tour du lac. On va regarder toutes les huttes. Donc on a fait celle-là, on a fait celle de droite aussi.
Là. Donc on va aller... Là-bas, il y a des maisons qu'on n'a pas faites. Donc on va faire ça. On est en pleine forme, donc on peut un peu sprinter. Hutte sur glace. Hutte de pêche. Donc on peut un peu sprinter. J'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des loups. Enfin, pour l'instant. On prend des massettes, c'est bien. Si jamais on en a trop, on les laisse à la maison. Mais les massettes, c'est cool. Mais comme j'ai dit, hein, les massettes ne s'usent pas. Donc vous pouvez les garder indéfiniment. C'est quand même... Oh, il y a un cadavre. C'est quand même 150 de calories l'une. Donc c'est pas rien du tout. Il n'y a pas de corbeau. Hein. Des fois, il n'y a pas de corbeau. Hein. Faire attention. Ok. Ok, on va aller là-bas. Alors, on va d'abord à cette hutte. Avec la porte fermée, là. Et on va aller après là-bas. Il y a des maisons. Enfin, je crois qu'il y en a une. Les deux autres sont cassées. Donc on pourra se réchauffer dans celle qui est encore en bon état. Oups, pardon. Merde, journal, j'aurais pas dû le prendre. On le déposera. Regardez sur les étagères et derrière le truc. Là, on va prendre charbon. Au revoir. Ok, on y va. Alors encore une fois, quand je me tais, c'est parce qu'on peut avoir des loups. Donc faut bien écouter. Et on va directement aller dans celle-là pour se réchauffer. Ouh, il y a une note juste devant la porte. On va essayer de se réchauffer un peu et voir ce qu'il y a dedans. À la limite, on pourrait peut-être perdre du temps à casser, à récupérer du bois en fait dans ces petites maisons. Genre 15 minutes, ça c'est pas mal pour le se réchauffer vite fait. Et récupérer du bois. N'hésitez pas à des fois, entre parenthèses, perdre... Ouh, il y a un truc. Perdre du temps en faisant des petites actions. Essayez pas de ne pas faire, par exemple, ça, genre temps ciblé et passer du temps comme ça. Il faut toujours faire, passer du temps en faisant quelque chose. Même si c'est tout petit, même si c'est récupérer une brindille, tout ça, faut toujours le faire. Faut que ça soit, faut pas que ça soit du temps complètement perdu. Donc là, il y a des petites caisses, c'est bien. Top. Fais voir un peu notre vie, non ça va. On a un lit, on peut même dormir un moment si on veut. On va pas le faire, 45 minutes c'est parfait. Qu'on boit. Ah, très bien, on peut même dormir un petit moment parce qu'on a une friandise, on peut la manger et partir. Et dormir je veux dire, genre une heure. On va pas le faire mais on peut. J'aurais dû me baisser. Ça va. Personne, j'ai l'impression. Quoi ça? Un sac? Oh. Ok, j'ai cru entendre un truc. Tout abandonné, ok, merci. De toute façon, les notes, on les a dans l'inventaire, on peut les lire à tout le monde. Ok, là par contre, on est contre le vent, ça va être un peu chiant. Tout va bien. Je voudrais bien faire le lac entier. Ça pourrait être pas mal. Ouais, prends. Alors, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est dessiner. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup dessiner la map. Le problème, c'est que en intrus, encore une fois, c'est chiant. Parce que bah, vous avez froid, tout simplement. Ouh, ça, c'est pour moi. Ah, voilà. Le problème, c'est que vous avez froid à l'extérieur. Et ça va très vite. Donc ça, c'est un gros problème. Mais on va essayer de dessiner là, à la sortie. Là. On va se réchauffer un peu. Il y a un lit. Oh, c'est parfait, il y a un lit.
On va peut-être se réchauffer vite fait. Ok. On trouve beaucoup de rien, ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. De trouver du rien. Tout cool. Alors, j'avais dit qu'on devait jeter un livre. Des journaux. Ok. Donc on a trouvé quoi? Un livre sur quoi? J'ai pas fait gaffe. Oui, la pêche, la pêche. Ça, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas, on peut pas faire de la pêche. Mais... Ah oui. C'est les boyaux qu'il faudrait récupérer du cerf. Ouais. Faudrait récupérer les boyaux du cerf. Tout simplement pour les faire sécher et commencer à récupérer des fils, en fait, pour pêcher. Ce serait vraiment bien. Après, j'ai vu qu'il y avait des lapins pas loin, donc on pourrait faire ça avec les lapins. C'est plus facile que les lapins. En fait, on peut les transporter, les lapins. Tout simplement, on n'a pas besoin de le faire sur place. Donc, ouais, avec le lapin, ce serait mieux, ce serait plus simple. Ok. Ok, vous voyez que le... Ça descend vite. Hein. On va faire ça là. Ah, il fait moins froid. Moins 6. Ça va, ça va, ça va. Ça on prend. Ça on prend surtout. Ça. On va redessiner ici. Ah, elle se réchauffe ici. Ah, c'est énorme. Ok, bien, 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 bien. Elle se réchauffe ici, donc on va en profiter. Oh, il fait joli. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le... Est-ce qu'on tenterait le feu? Ouais, on va essayer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à cette hutte là. On va aussi se réchauffer. On va dessiner. Et si jamais le temps est encore bon, parce qu'on a du bois. Enfin, quoi qu'on pourrait le faire en fait. Parce que c'est vrai que le fait que... On n'a pas assez d'allumettes pour se permettre... de passer à côté de cette aubaine. Ok? Donc on va directement faire du feu. On rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait encore deux... C'est quoi ce bruit? Ok. Si on avait encore deux ou trois boîtes d'allumettes, je dirais, ok, c'est pas grave. Là, on peut faire du dessin. On peut faire toute la carte, là. Il fait pas froid. Honnêtement, là, je serais parti pour faire quasiment toute la carte. Ou alors le plus possible. Mais on n'a qu'une seule boîte d'allumettes. Faut se rappeler de ça. Donc la boîte d'allumettes, si elle est finie, on est mort. D'accord? Vous avez compris ça? Vous gardez bien ça en tête. Si elle est finie, on est mort. Donc... Il va falloir faire du feu... Bon, dépêche un peu, Ellie, dépêche, push un peu tes fesses. Après, elle est pas super fatiguée. Bon, c'est vrai que j'ai un peu sprinté comme un fou, mais... On a du bois, donc autant le faire. Après, on a plein de trucs à cuire. Encore une fois, alors ce qu'on va faire en premier, c'est la cuisson. C'est la viande. Et ce qu'on va faire... après, c'est de l'eau, comme d'habitude, en surplus. En surplus. Alors là, si vous n'avez pas d'allumettes et vous pouvez pas, par exemple, faire cuire la viande, bon, vous avez un risque d'être malade, évidemment. Mais il y a beaucoup de massettes. Il y a quand même beaucoup de massettes. Donc, vous devriez pouvoir tenir quelques jours.
Si vous faites comme moi, que vous économisez à mort, ça passe. Ok, on va faire ça. Loop. Ah, il y a trop de vent. Il souffle où le vent? Il souffle là. Ok, là alors. Par contre, j'ai un peu peur que si on prend une torche, on se la fasse souffler en fait. Je crois. Je fais du feu avec la loupe? Ouais. J'ai peur qu'on se la fasse souffler. On va voir. Ah putain! Merde, tu vas pas me dire que le... que je me suis fait avoir. Je crois que je me suis fait avoir par le jeu. Oh non. Oh, je crois qu'on va pas pouvoir... on va pas pouvoir prendre la torche à la maison. Non! Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal, celle-là. Merde. Attendez. Attends, je voudrais pas perdre non plus le truc. Bon, 1h, 58, ok. On va faire ça. Alors, faut pas trop mettre de feu. Parce que... 1h, 35 minutes, 35 minutes, ok. Parce que si le vent tourne, on est dans la merde. Ok. Si le vent tourne, on perd le feu. 35 minutes, on se met à l'abri du vent. Honnêtement, je crois qu'on a un bon, une bonne protection contre le vent. Parce que il fait pas froid quand on est protégé contre le vent. Après on est dans les premiers jours. Alors en intrus évidemment. En intrus le truc c'est que les jours en fait vont être de pire en pire. Donc faire ça attention. Oh il n'y a plus de vent. Je crois, cool. Donc faut faire très attention à ça. Ça va être de pire en pire. Donc c'est conseillé au début de vraiment de trouver les bonnes choses vite. Ah, ça fait con de dire ça, mais... parce que c'est difficile de trouver les bonnes choses vite. Cuite dans 10 minutes. Fais voir si on peut pas récupérer les boyaux. J'arrête pas de sprinter comme un con, elle va être fatiguée avant la nuit. Boyaux, 30 minutes. 30 minutes, c'est beaucoup quand même. C'est quand même beaucoup, 30 minutes. On va faire ça. Et on rentre. Risque d'entorse quand on est trop lourd. Alors aussi, alors il y a une technique. Comme ça. Si vous avez deux feux. Alors, je l'avais déjà montré. Alors, vous pouvez en fait, vous pouvez tout simplement regarder ma dernière vidéo de la saison précédente. Et j'avais montré une technique pour augmenter votre feu. Pour faire des feux en fait à répétition. Et ça va augmenter votre
skill pour le feu. C'est-à-dire que vous faites un feu à l'intérieur, donc votre feu à l'intérieur, comme ce que je fais là, va être votre feu principal que vous gardez absolument en vie. Et ce que vous allez faire, c'est que vous prenez à chaque fois une torche, ou alors vous rallumez en fait votre torche à chaque fois. Attendez que je fasse pas de conneries. Voilà. Ou alors vous rallumez votre torche en fait à chaque fois. Et vous sortez, vous faites un feu à l'extérieur. Vous faites pas plus, hein, vous utilisez une branche, hein, pas plus. Vous faites une branche. Vous re-rentrez à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Vous faites de l'eau, vous faites... je sais pas ce que vous voulez. Et après, donc le feu à l'extérieur va s'éteindre au bout d'un moment. Ah, très bien. Ça par contre... Ça on va le garder sur nous. 800, ok. Donc le feu s'éteint. Vous rentrez, donc comme j'ai dit, voilà, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Et vous gardez le feu en vie surtout. Et vous ressortez, vous rallumez un feu en fait à chaque fois. Vous rallumez ou le même feu. Par contre, s'il y a des braises, il faut faire attention. Parce que du coup, vous n'allez pas rallumer le feu. Parce que les braises, c'est pas considéré comme quoi le feu est éteint. Mais vous attendiez vraiment qu'il s'éteigne. Et après, vous le rallumez encore une fois avec une petite brindille quoi, que vous trouvez. Les brindilles, ça va, c'est facile à trouver. Donc du coup, vous faites ça en fait en boucle. Et si jamais, par exemple, votre torche est finie, bah, vous en faites un bout de bois. Puis après, vous récupérez une torche ici, vous ressortez, etc. Et en fait, vous continuez à allumer plusieurs feux à l'extérieur. Et ça aide vraiment hein, pour augmenter votre skill. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne technique pour faire du feu, pour augmenter le feu. Ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, vous aurez plus besoin de petits bois, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est important. La cuisine, pareil. Faites cuire tout et n'importe quoi, comme j'ai dit. Parce que mieux vous êtes en cuisine et plus vous allez récupérer des calories. Ah, c'est le tissu qui me manque, mince. C'est vrai, c'est vrai. Plus vous allez récupérer des calories quand vous cuisez des trucs. Donc ça, c'est bien. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire qui prennent pas beaucoup de ressources. Et vous allez pouvoir comme ça augmenter vos skills assez facilement. Bon, peut-être pas facile, mais voilà, sans utiliser trop de ressources. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc voilà, pensez à faire ça. La cuisine et faire des feux, c'est le plus important. Après, le reste, c'est secondaire, honnêtement. Le reste, c'est secondaire. Voilà, très bien. On va poser les autres à l'extérieur. Y a quoi d'autre à faire? Faut que je regarde les skills et je vais vous dire un peu ce qu'il faut privilégier. Voilà, ça c'est du 1 kg à chaque fois. Très bien. Je les ai pas posés au même endroit. Je les ai posés comme ça. Non, c'est pas grave. Go. Après, bon, arc est bien. Mais arc, il faudrait avoir le dernier niveau. Je crois que c'est niveau 3 ou 4. Vous allez pouvoir tirer accroupi. Et honnêtement, tirer accroupi avec l'arc, ça va vous changer la vie. Ça va vraiment vous changer la vie. Non, pas de couteau. J'ai envie de détruire les moufles et tout ça, mais si jamais en fait on perd nos vêtements parce qu'on se fait attaquer ou des trucs comme ça, bah du coup on sera dans la merde. Donc je préfère pas les détruire. On va faire ça. Et quoi d'autre? Faut regarder le feu. Encore 2 heures. Encore 4 heures. Elle est pas trop fatiguée, ça va.
On va poser le reste. Alors le fusil, alors je sais pas ce qu'il fait, honnêtement, parce que comme j'ai dit, je joue toujours en intrus. J'ai pas monté le fusil en fait au max ou quoi que ce soit, donc je sais pas ce que ce qu'il fait. Je pense qu'il s'use moins, des choses comme ça, hein, j'imagine. Ok, bien, bien, bien. J'imagine que c'est ça, hein. Il s'use moins par exemple. Alors la couture c'est... Alors oui, vous avez... Putain, échec encore. Vous avez moins de pourcentage de chances de vous louper. Waouh, tu te fous de moi? Chier. Là, je suis dégoûté là. Une heure, c'est vrai. Ouais, il y a quoi d'autre comme skill? J'ai un peu oublié moi maintenant. La collecture carcasse, ça c'est utile. La cuisine c'est utile, allume feu. La pêche c'est pas vraiment utile. Tir à l'arc, oui. Raccommodage, comme j'ai dit, c'est pas vraiment utile. À chaque fois, vous perdez un peu de pourcentage de votre truc de couture. Alors, les choses de couture, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez des kits de couture, par exemple, disons que c'est 30 minutes pour recoudre un truc, vous pouvez aussi utiliser le kit de pêche, donc c'est-à-dire un hameçon que vous devez crafter ou trouver, avec du fil, donc un boyau par exemple, ça fait deux fils. Et vous pouvez en fait coudre avec ça. Par contre, ça va être un peu plus long que si vous utilisiez un kit de couture. Voilà, c'est ça la différence. Mais vous pouvez complètement utiliser un kit de pêche. Et à la limite, c'est conseillé d'utiliser un kit de pêche et garder les kits de couture pour autre chose. Pour faire des choses plus importantes ou qui durent plus longtemps. On va mettre l'autre viande, l'autre morceau de viande à l'extérieur. Bon, ben on a passé une bonne journée là encore, honnêtement. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dessiné la carte. Très bien. On a dessiné la carte. On a tout ça de réserve en viande, ce qui est bien. Plus tard, on va pouvoir aller pêcher. Quoique non, on n'a pas encore de fil, donc bon, pas vraiment, mais on pourrait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, honnêtement, on a passé vraiment une très bonne journée. Là, on a bien avancé et tout. Je suis assez content. On va utiliser tout ce kit de couture. Là, on va le finir. On va complètement le finir. Fondu, bouillie d'entrant. Ok. Par contre, l'eau, ça va prendre un petit moment. On risque encore de dormir une partie de la journée, j'ai peur. Ça, je voudrais bien que ça finisse, par contre. Ok, cool. Ah bon, bah, on a plus de... Bouillie dans 45 minutes. Hop. Une heure. 43 minutes. Elle est pas trop fatiguée encore. Je pense qu'on peut faire encore un peu d'eau. Bon, du coup, on n'a plus de tissu. Bon, ça, c'est un peu emmerdant. On va avoir l'habitude. Donc, voilà, on a dessiné ça. Donc, ça, c'est bien. Il y a des branches de cèdre, là. On va peut-être aller les récupérer. Oui, on aurait pu faire tout ça, mais bon. Comme j'ai dit, on en a profité là, avec le beau temps et tout. On a 12 allumettes, c'est pas beaucoup, hein, ça rend pas beaucoup. Donc faut les garder de côté. Alors pour attendre, ce qu'on pourrait faire, c'est... C'est pas conseillé, ce serait de manger un peu.
et de lire le livre. De lire ça, par exemple. Parce que là, elle va pas vouloir parce qu'elle a trop faim. Mais... on pourrait le faire. Parce qu'on a un peu de... un peu de nourriture de côté. J'hésite à le faire, en fait. J'hésite à le faire. Eau potable. Eau. 15 minutes. Je vais d'abord poser toute l'eau qu'on a. Ah, mais elle est trop fatiguée. Neige, neige. Je sais pas, ça vaut le coup. Non, on va... Ah putain, c'est emmerdant ça. Non, ça ferait 800. Là, on va avoir moins parce qu'on n'a pas d'ouvre-boîte. Non. Non, quand on aura plus de vie... Oui, parce que là, en fait, on est toujours, faut toujours penser à ça. On est toujours en train de vouloir récupérer le plus de vie possible en ce moment. Parce qu'on a vraiment joué avec le feu. On était descendu très très bas. Donc on continue. On continue à récupérer de la vie. Donc on va pas faire ça. On va pas gaspiller de la nourriture comme ça. Si on était un peu plus en forme et tout, oui, mais là non. Alors, on va faire ça. Temps de cuisson. Bouillie dans 1 heure, fondue dans 45 minutes. Bouillie dans 15 minutes, bouillie dans 1 heure. Une heure 20, il reste. Quarante-quatre minutes, il reste 1 heure. Une heure. Ça sera de l'eau impure. Ah, là, 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 là. On va continuer à faire de l'eau au maximum. Il y en a combien? Il y a 4, 5. On a 5 litres au sol. À 8. Il reste 1h20. On va mettre le dernier bout de bois. Et on garde le reste. Bouillie dans 1 heure, bouillie dans 15 minutes. Ça, si on peut tout finir d'un coup. Yeah, ah, je suis content là parce que on a vraiment très très bien joué sur le fait qu'on a économisé les on a vraiment économisé les bouillies dans 18 minutes. Voilà. On a vraiment économisé les allumettes. On a récupéré beaucoup de viande.
On a de l'eau maintenant, on a vraiment pas mal d'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, en bas on a au moins 5 ou 6 litres encore. Donc on a une vingtaine de litres en plus. Voilà, ça c'est fait. Et bah c'est bon. Non, on est bon. Tada, c'est bon, on peut dormir. Donc on va dormir. Honnêtement, là, on a très très bien joué. Hein. On a de l'eau en réserve et on a de la viande en réserve. On n'a plus vraiment besoin de faire un feu pendant très longtemps. Après, la viande, oui, elle va partir et tout ça assez vite. Mais enfin, quoi que même assez vite. Non, on va se rationner. On va commencer à se rationner. Okay. Non, on va commencer à se rationner, faire attention. On va refaire encore 10 heures cette fois pour récupérer le plus de vie possible. C'est parti.